Depuis le 28 novembre dernier, Cyril Lignac a repris du service dans son émission Tous en cuisine. Cette fois-ci, il propose aux téléspectateurs de préparer des repas de Noël. Recevant toujours des invités en visioconférence, voilà que l'animateur a été quelque peu surpris ce jeudi 22 décembre. Et pour cause, il a reçu un cadeau de la part de Jérôme Anthony, lors de la roue des surprises. Cette dernière s'est alors arrêtée sur l'invité surprise. Christian Delery, si est-il ton professeur, lui indique-t-il. Et oui, le cuisinier a eu la surprise de voir débarquer l'un de ses anciens professeurs. Jérôme Anthony s'est donc laissé aller à quelques questions intimes, comme par exemple, au sujet du comportement de son acolyte lorsqu'il était enfant. Studieux, on ne va pas dire ça. Commence par déclarer avec amusement le professeur. Si est-il vrai que quand j'ai démarré, c'était un peu difficile pour moi. Mais bon, après j'ai découvert la passion, mais au début c'était un peu difficile, confirme Cyril Lignac. Il avait des talents cachés, il s'en ne sortait quoi. Cyril Lignac veut se venger et voilà que Christian Delery diffuse en direct des photos de Cyril Lignac lorsqu'il était son étudiant. Les téléspectateurs ont pu ainsi découvrir les cheveux blonds platine du chef. Une situation qui a fortement amusé Jérôme Anthony et la chef Noémie Ognia. J'étais blond quand j'étais plus jeune. Dévoilant trois clichés du chef, ce dernier, quelque peu gêné, a mis fin à la récréation. Si est-il déjà pas mal Jérôme. Une surprise qui a déclaré la guerre entre Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Je vais me charger de toi, lui a promis le chef.